Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie, je suis vraiment enchantée de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, alléluia! Avec ma vidéo favori parfum, vous avez vu le titre de cette vidéo. Je vous en parle depuis tellement longtemps. J'ai envie de la faire depuis tellement longtemps. Et vous avez été très nombreuses à me la réclamer au fil des mois. Donc la voici enfin les filles, ma vidéo favori parfum. Donc comme toutes mes vidéos favoris, je tiens le petit disclaimer habituel qui, je le sais d'ores et déjà, sera absolument sans effet. Mais j'y tiens, je ne viens pas vous parler de tous les parfums que j'aime. Je ne viens pas non plus vous parler de tous les parfums que je possède. Je viens vous parler vraiment de mes favoris. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui ont la chance de me suivre depuis suffisamment longtemps, vous savez que je suis une personne extrêmement olfactive. Je suis très tactile également. Je suis tout en sensorialité. Mais je suis vraiment, ma caractéristique principale dans ce domaine, c'est vraiment l'odorat. Je suis extrêmement olfactive. Donc lorsque j'adore un parfum, je l'adore, je l'adore. Et lorsque je déteste un parfum, vraiment je le déteste. Mais vraiment dans le sens de, les parfums que je n'aime pas me rendent malade. Il est par exemple des parfums qui sont des best-sellers absolus, tant chez l'homme que chez la femme, et que moi je déteste absolument. Il suffit que le matin dans le train par exemple, dans les transports, je le sente sur quelqu'un et je suis malade. Mais les filles, je suis malade, j'ai mal à l'estomac vraiment toute la journée. Je suis à ce point olfactif. Donc c'est plus une malédiction qu'une bénédiction, hein, sachez-le. Mais voilà, je suis à fond dans le parfum depuis toujours. Vraiment depuis ma plus tendre enfance. Quand j'étais enfant, je mélangeais les parfums entre eux, je faisais des trucs absolument abominables, je mettais de l'eau dedans et tout. Je m'improvisais nez et chimiste, n'est-ce pas? C'était catastrophique, mais j'ai vraiment cet amour, parce que c'est vraiment un amour profond pour le parfum depuis toujours, depuis aussi loin que je puisse m'en rappeler. Donc je viens, comme dit, vous partager aujourd'hui mes absolus. À l'exception de, j'allais dire deux, et là je les vois devant moi, à l'exception de quelques-uns, ils sont dans ma vie depuis plus de 10 ans. Plus de 15 ans pour certains. Ceci ne nous rajeunit pas. Mais vraiment les filles, je l'ai dit, quand j'adore un parfum, je l'adore. Donc je commence par mon absolu. Et je l'ai dit, celles et ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps savent exactement auquel je fais référence. À l'époque, donc, ce que j'entreprends de faire, c'est vous parler du parfum. Comment est-ce qu'il est entré dans ma vie? Comment est-ce que je l'ai connu? Qui est peut-être qui est derrière ce parfum? Et ce qu'il me... Je vais vous lire les descriptions que les pros en font. Hein, je ne suis pas professionnelle du parfum, n'est-ce pas? Et je vais vous dire ce que le parfum évoque pour moi. Donc, ça va être une petite vidéo rigolote, je l'espère. Donc, le premier, je l'ai dit, c'est évidemment le For Her de Narciso Rodriguez, qui est mon parfum absolu de l'histoire du parfum de Sabrina, de la vie de tout, de l'humanité. C'est mon parfum absolu. Je l'adorerai toujours. Je le porte un peu moins ces derniers temps parce que je vais être tout à fait franche avec vous les filles. Jetez-moi des pierres si le corps vous en dit, mais les filles, la raison pour laquelle je le porte un peu moins, c'est parce que désormais tout le monde le porte. Tout le monde le porte. Et je trouve ça un petit peu triste parce que je l'ai dit, à l'époque, fut un temps, les femmes For Her étaient presque ressemblantes. Quand je voyais une femme, une jeune femme dans la rue, une femme, jeune ou non d'ailleurs, le porter dans la rue, mon nez me disait « Ah il est dans les parages !» Et lorsque enfin je parvenais à identifier la porteuse du précieux jus, je lui trouvais des similarités avec moi, dans le look, dans la mouvance, dans le quelque chose, vraiment. Et là maintenant ça n'est plus du tout le cas, maintenant tout le monde le porte, ce qui est génial, c'est un parfum qui est formidable. Il n'est pas exactement abordable au niveau tarifaire, mais voilà, tout le monde le porte. Donc je le porte toujours, hein. Il se trouve que quelquefois je me lève le matin, ah oui ça je devrais aussi commencer par ça dans l'introduction, je me parfume en fonction de mon humeur, je me parfume comme je m'habille et je me parfume comme je me maquille. C'est vraiment le matin je me lève, je me dis ok, dans quelle humeur est-ce que je suis? Vraiment, parce que mon parfum vraiment est plus qu'un accessoire, mon parfum est vraiment comme un vêtement pour moi, je me sens nue sans mon parfum, vraiment. Donc même quand je porte strictement aucun maquillage, que je suis en survêt, t-shirt, basket, que je vais chercher mes légumes, et que je porte quelque chose. Vraiment derrière l'oreille, sur le poignet, dans le creux du coude, je porte quelque chose. Mon parfum vraiment, je vous dis les filles, au niveau du parfum, je suis vraiment moque. For Her est extraordinaire, donc c'est un jus
qui est né du nez qu'est Francis Kurkdjian. Je vous ai déjà parlé de lui. Vous le connaissez probablement, Francis Kurkdjian, qui possède sa propre marque de parfums. Ils sont distribués notamment sur le boulevard Haussmann. Je pense que c'est aux Galeries Lafayette et Printemps Beauté. Il a sa propre boutique rue de Rivoli qui est absolument sublime. Les filles, je vous encourage vraiment à aller visiter sa boutique. Le personnel est absolument adorable, la boutique est sublime, les parfums vraiment sont mis en valeur, c'est une expérience sensorielle extraordinaire, vraiment allez-y. Allez-y, 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 allez-y. Et les parfums qui portent son nom sont absolument extraordinaires. Donc, il y en a pour tous les goûts, mais il y a quand même une, donc ils sont très différents les uns des autres, mais il y a quand même une constante. Moi je reconnais, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais de la même manière que les œnologues avertis savent reconnaître tel et tel vin, moi je sais reconnaître la touche par exemple de Kurkdjian quand je sens quelque chose qui est de lui. Même si je ne sais pas que c'était de lui au départ. Les filles, je vous jure que c'est vrai. Donc, For Her est extraordinaire. Donc, je vais vous lire la description que les professionnels en donnent, n'est-ce pas? Donc, il est indiqué une fragrance élégante, sensuelle, mystérieuse et douce. Un cœur de musc exalté par trois facettes, floral, ambré, boisé. Et alors les filles, c'est une excellente description. Vraiment, une fragrance élégante, yes. Sensuelle, absolument, absolument. Mystérieuse et douce. Sur le douce, je ne suis pas complètement d'accord, mais je vois à peu près ce qu'ils ont voulu dire. C'est extraordinaire. Les filles, ce parfum, c'est exactement ça. Et quand je dis que les femmes Narcisso se ressemblent, donc je m'auto-congratule en même temps, au passage, ni vu ni connu, mais ce fut un temps, lorsque vraiment quelques femmes seulement le portaient, c'était vraiment des femmes à chaque fois, tu vois, genre boss lady, élégamment vêtues, tu vois, bien maquillées, bien mises, et qui avaient l'air fortes, et vraiment c'était ça. For Her, pour moi, c'est vraiment ça. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Et donc la manière dont moi j'ai découvert ce parfum, c'est grâce à Nas. C'est Nas, ma meilleure amie, vous le savez, qui, vous le savez également, refuse de montrer sa bobine au grand public. Bon bref, c'est Nas ma qui me disait Sabrina, oh là, je vous parle de ça. Nas et moi on s'est rencontrés à la fac de droit, donc c'était il y a très 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 longtemps. Elle le portait et je disais, mais elle me disait il est génial et tout. Et moi au début, je vous l'ai dit, ça c'est une anecdote que je vous avais déjà racontée. Au début je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai dit ah non, non. Et maintenant je l'adore, enfin c'est pas maintenant, c'est depuis fort fort longtemps, mais je l'ai adoré aussi fort que je l'avais rejeté. Il est extraordinaire, c'est un parfum sublime. Et donc c'est l'un des très très rares jus que je possède, où je préfère la version eau de toilette plutôt que eau de parfum. Je trouve qu'il tient mieux sur la peau, il est extraordinaire. Donc un dupe sheet, moi ce que je fais les filles, c'est que la manière dont je porte le parfum, ça dépend desquels, mais généralement je vais en déposer un tout petit peu sur les poignets, le creux des coudes, le creux des genoux. Je sais, je suis high maintenance. Derrière les oreilles, ça c'est ma première application. Et ensuite, je vais vaporiser un pchit dans l'air. Et j'avance de quelques pas et je laisse le parfum me bénir. Et alors les filles, il est génial. Il est précieux pour moi. Il est très très précieux. Il est formidable. Il est formidable. Vraiment, c'est un parfum extraordinaire. Extraordinaire. C'est mon absolu. Vraiment de tous. Donc, il existe bien des déclinaisons du For Her de Narciso Rodriguez. Dont celle-ci, donc Fleur Musk, Narciso Rodriguez For Her, je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Je le porte, je l'aime beaucoup, mais de la même manière que toutes les autres déclinaisons du For Her que j'ai senties, aucune, elles sont toutes très bonnes. Elles sont toutes très très bien travaillées, complexes, vraiment sérieuses et vraiment concrètes, extraordinaires. Mais les filles, aucune n'égale l'original. Vraiment, le For Her de Narciso Rodriguez, les filles, est mon parfum absolu. Absolu, absolu. Et alors, je le portais depuis, je l'ai dit, très 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 longtemps, mais très très longtemps, plus d'une décennie, donc très très longtemps. Et je suis là, je zone tranquillement à la Ventura Mall de Miami, en train de faire du shopping. Et je dis, oh là, du dent, je vois un stand, Narciso Rodriguez, et un nouveau flacon. C'était, je vous parle de ça, il y a 6 ans, je sais plus exactement quand est-ce que c'était, ouais, il y a peut-être 6 ans. J'ai dit, excuse me, what about? À la vendeuse c'était comme un Galeries Lafayette. Je crois que c'était Nordstrom, je suis plus sûre. Mais bon, bref, c'était dans le grand, grand centre commercial d'Aventura Mall de Miami. Je lui dis, excuse me, what about? Elle me dit, oui, do you want to smell? Je lui dis, mais bien sûr que je veux smell, parce qu'il s'agissait de Narciso. Donc, Narciso de Narciso Rodriguez. Et alors, les filles,
Ah là là, ah là là. Lui, ah là là, les filles. Je l'ai senti dans la boutique à Miami. Je ne l'ai pas acheté là-bas parce que la valise, etc. Mais en plus, c'était un superbe coffret, etc. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté parce que de ne pas l'avoir acheté aux États-Unis parce que entre le moment où je l'ai découvert à Miami et le moment où j'ai finalement réussi à mettre la main dessus ici en France, il s'est écoulé à peu près 2 siècles. Je faisais des mails et tout, j'en pouvais plus. Donc les filles, comment vous dire, il est vraiment génial. Je l'aime tellement, tellement. Donc à la différence du For Her, ce n'est plus du tout Francis Kurkdjian qui est derrière Narciso de Narciso Rodriguez, mais Aurélien Guichard. Aurélien Guichard qui est le nez que vous connaissez probablement pour Madly de Kenzo ou encore Gucci, Guilty de Gucci, vous le connaissez déjà. Le Please Please de Dissé Miyake, donc pas du tout un novice, n'est-ce pas? Mais alors les filles, c'est marrant parce que ce sont deux nez différents qui ont créé ces deux jus, mais il existe une identité entre For Her et Narciso. Je peux pas dire qu'ils se ressemblent parce qu'ils ne se ressemblent pas, mais en vrai ils sont frères. C'est très bizarre de dire ça, ça n'a aucun sens. Mais les filles, voilà, je ressens, je sais que c'est un parfum Narciso Rodriguez lorsque je le sens. Il est extraordinaire, il est extraordinaire. Donc je vais vous lire la description qui en est faite là encore par les professionnels en la matière. Donc on nous explique que c'est l'élégance des notes boisées rencontre la délicate féminité d'un bouquet de fleurs blanches et palpite autour des chaudes nuances ambrées d'un cœur de musc. Moi je dis musc, vous dites musc? Narciso appartient à la famille boisée florale musquée, absolument. Donc les filles, il est extraordinaire. Je n'aime pas les parfums féminins girly. Je n'aime pas ça. Je les trouve entêtants, ils m'écœurent. Tout ce qui est fruité, sucré, vanillé, je déteste, mais en même temps, je vais apprécier un été, par exemple, un petit escada, un petit quelque chose de fraîcheur tropicale. Voilà, un truc très léger lorsque je suis en tongue, par exemple. Donc, il n'existe pas une règle absolue, mais de manière générale, je n'aime pas les... Par exemple, je peux apprécier un Beach de Bobby Brown, qui est très féminin, comme ça, très... Mais de manière absolue, de manière générale, je n'aime pas les parfums trop féminins, très girly, non. Donc vraiment, ce sont ces parfums ambrés, boisés, où le cœur de musc vraiment est présent. Ce sont vers ces parfums-là que je vais volontiers. Et alors ces deux-là en sont deux sublimes emblèmes. Vraiment, ces parfums, les filles, je les aime absolument. Je reste tout près des nouveautés qui sortent dans les parfums Narciso Rodriguez. Ils ne sortent que très rarement. Par exemple, il s'est passé plus d'une décennie entre le For Her et le Narciso. Il s'est passé plus de 10 ans entre les deux. Donc je guette vraiment les sorties. Je suis comme une enfant. Je les aime infiniment. Donc je suis restée très très longtemps sur eux. Je vais tâcher d'aller un petit peu plus vite pour la suite. Mais les filles, ce sont là mes deux absolus. Un autre parfum qui est vraiment mon absolu, qui est vraiment un indispensable dans ma vie. D'aucuns se moquent de moi, se sont moqués de moi tout au long de ma vie dans mon entourage en me disant ça n'est pas un parfum pour une femme de ton âge. Je pense que c'est pas du tout. Déjà le parfum de manière générale, il n'y a pas d'âge pour moi pour porter tel ou tel parfum. C'est vraiment en fonction de la personnalité. Et la personnalité ne vient pas nécessairement avec les années. La sagesse peut-être, mais la personnalité non. Moi je suis aussi folle par exemple depuis fort longtemps déjà. Bref, pour revenir à la menton, c'est un parfum que j'adore, c'est un parfum que j'ai rencontré dans le cadre de mes jobs d'étudiante, lorsque j'étais à la fac de droit à Paris, lors d'un autre siècle, c'était même un autre millénaire. Je travaillais dans les boutiques de Duty Free à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et donc je travaillais dans la boutique Hermès, qui m'a marqué au fer rouge cette marque, vraiment. Tout l'univers, donc la sellerie, les sacs, évidemment, ça me suit encore à mon âge adulte, n'est-ce pas? Bref, les parfums, les carrés, les étoles, les bijoux, la marque Hermès, vraiment, pour moi, c'est l'excellence mondiale. Dans le monde entier, pour moi, aucune marque n'égale la perfection absolue de la maison Hermès, vraiment. J'aime beaucoup d'autres créateurs, j'ai un amour profond et sincère pour la maison Dior, j'aime beaucoup ce que Chanel fait, je suis passionnée de tout ça, je les admire, je les respecte profondément. Mais Hermès, dans mon cœur,
dans ma vie vraiment tient une place à part. C'est peut-être dû au fait, voilà, que j'ai vu les produits très tôt. J'ai commencé la fac de droit évidemment à 18 ans, j'en suis sortie évidemment très tard également. Et tout le long, voilà, j'ai travaillé dans cette même boutique à Roissy et je suis tombée vraiment profondément en amour pour la marque, vraiment, vraiment. Et au cours de ces expériences, n'est-ce pas, j'ai fait la connaissance de 24 Faubourg, donc d'Hermès. Et là, le jus en eau de parfum, pour le coup. Et alors, les filles. Un sketch. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je l'aime tellement. Il est délicieux. Il est délicieux. Il est suave. Il est sérieux. Là encore, il est très très cohérent avec la maison Hermès. Là encore, c'est vraiment l'élégance, le raffinement. Il est complexe, mais sans prétention. Il est extraordinaire. Alors, je ne sais pas comment est-ce que les professionnels le décrivent, donc je vais tâcher de trouver une description ici. Donc, je suis allée tout simplement sur le site de Sephora, les filles. On nous explique le parfum dans l'absolu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Une explosion de fleurs blanches, une chaleur enveloppante, une sensualité conquérante. Waouh. Je suis absolument d'accord avec cette description. Roman composé par Maurice Roussel en 1995, 24 Faubourg est une invitation à un voyage dont le soleil serait la destination. Éclat des fleurs blanches en tête, rayonnement du chlore floral enveloppé d'iris, de bois et de mystère, vanille et ambre gris donnent le ton de son sillage. L'eau de parfum, le rayonnement du zénith. Poésie. Donc ce qui est étrange, c'est qu'on nous indique vanille. Je suis typiquement celle qui ne va pas du tout aimer la vanille. Je vais vous en reparler dans un instant. Typiquement, je déteste tout ce qui est vanille dans un parfum. Je ne comprends pas, c'est pour moi un mystère absolu, les femmes qui portent vraiment un parfum vanille. Moi, je sors du train. Je sors du train illico, Macias. Vraiment, je ne peux pas. Si c'est votre cas, les filles, faites à votre guise. Je critique pas du tout. Mais je parle de mes goûts à moi propre. En tant que moi, tu comprends, 24 Faubourg d'Hermès, en eau de parfum extraordinaire. Donc, évidemment, les autres jus de la maison Hermès ne me laissent pas indifférente. Donc, un jardin en Méditerranée, orange verte, même les parfums Hermès hommes que j'adore. Terre d'Hermès, notamment, est... Orange verte, le jardin de Monsieur Lee, je les adore, calèche, voilà. Mais 24 Faubourg, je l'adore. Je poursuis. Les filles, j'ai presque l'eau à la bouche, c'est bizarre, non? C'est ça, Sabrina. Tu as l'eau à la bouche tout le temps? Non, pas du tout, mais c'est quand vraiment je suis. Wouh! Donc, je poursuis. Donc, chez la maison Chanel, il y a énormément de parfums que j'adore. Énormément de parfums que j'adore. Le numéro 5 en tout premier lieu, évidemment. Je ne l'ai pas sous les yeux, je ne le possède pas en ce moment. J'aime beaucoup le 19. J'aime beaucoup Chanel L'eau. Chanel numéro 5, L'eau florale ou que sais-je. Une déclinaison du Chanel numéro 5, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est une version allégée du numéro 5. Je l'aime énormément. Mais celui que je possède en ce moment, et je l'adore vraiment, c'est le tout nouveau Gabriel de la maison Chanel, les filles, qui est extraordinaire. Qui est sublime. Moi, quand je le sens, les filles, je vous jure, c'est pas un sketch, je ne dois rien à personne, c'est ma chaîne, je peux dire ce que je veux. Lorsque je le sens, je vois cette photo que l'on a toutes vue, je vous la mets juste ici, de Gabriel elle-même, sur les escaliers voilà, de ce qui est devenu la boutique emblématique depuis des décennies. Chanel, de la boutique Chanel tout simplement, je la vois, donc c'est ce que je disais lorsque je vous en avais parlé la toute première fois, je vous l'avais présenté dans un hall et j'en discutais avec la sublime vendeuse dont je vous avais parlé également, j'ai eu un coup de cœur absolu pour cette vendeuse extraordinaire du corner Chanel au printemps chez qui j'ai acheté ce jus. Je lui disais, c'est dingue, ils ont réussi cet exploit, il y a des années de travail derrière ce jus les filles, ils ont réussi cet exploit de rester fidèles avec, imaginez les créateurs, les créateurs des parfums Chanel en 2018, imaginez, il est sorti je pense l'année dernière en 2017, fin de l'année 2017, imaginez la pression de l'héritage de la maison Chanel, du poids de Chanel numéro 5 et de tous les autres jus Chanel, donc de garder, de rester fidèle à la tradition Chanel, mais d'embrasser en même temps la modernité nécessaire et absolue en 2018. C'est absolument réussi. Il est génial, je l'adore.
Donc là encore, c'est l'eau de parfum. Je vais vous lire ce que les pros en disent une fois de plus. Donc Chanel, donc on nous explique, c'est un pur floral, c'est vrai. Et là où je suis plutôt réfractaire aux floraux en tête, c'est une très belle harmonie. Floral est blanc, il est pur, il est savamment apporté. Je sais pas comment vous le décrire. Ce n'est pas, et pourtant il est en tête, mais c'est pas du tout un floral dérangeant. Donc je poursuis, c'est un pur floral, une fleur solaire construite autour de 4 fleurs blanches. 4 points lumineux rappelant les angles du flacon. Parce que le design de la bouteille. Mais bon, bref. Un cœur de jasmin exotique, onctueux et enveloppant. À ses côtés scintillent les notes vertes fruitées de l'ylang-ylang. Puis vibre la fleur d'oranger fraîche et pétillante. Pour laisser entrevoir la tubéreuse de grâce. Captée dans son habit le plus précieux. C'est la fleur absolue, une fleur Chanel. Rayonnante et étincelante, purement féminine. Je crois qu'on peut aller se coucher, les filles. Donc, extraordinaire. 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 Donc, un jus de la création de Monsieur Polge. Donc, le nez officiel de la maison Chanel et avant lui, enfin bon, bref, la famille Polge. Bon, bref, les filles, je l'adore. Et alors, très étonnamment, c'est soit on l'adore, soit on le déteste. Très étonnamment, certaines d'entre vous m'ont dit « Ah oui, je m'attendais. » Moi, j'ai été emballée à la seconde où je l'ai senti. J'ai dit waouh, et Lévi, je peux vous dire que je suis relou au niveau des parfums, très honnêtement. Je n'en aime que très peu. Il est rare qu'un nouveau parfum fasse son entrée dans ma collection. Il est très très rare. Lui, il a sa place aux côtés vraiment de mes absolus. Il est extraordinaire. Donc, les circonstances dans lesquelles je vais porter Gabriel, c'est un petit peu la même logique pour Narciso et pour le For Her. C'est vraiment lorsque je veux être en pleine puissance de qui je suis. 36-15 psychologue. Non mais ce que j'entends par là, c'est par exemple où je vais avoir un gros challenge au travail, où je vais faire vraiment un make-up impeccable, mes vêtements sont repassés parfaitement, je suis dans une chaussure dans laquelle ma mouvance est assurée à 100%, dans des vêtements dans lesquels vraiment je me sens au maximum de mon potentiel, je veux être à 100% sûre de moi, c'est soit le For Her, soit le Narciso, soit vraiment Gabriel, soit le 24 Faubourg. Ce sont vraiment les parfums où je suis au maximum de ma féminité, de mon élégance, de mon chic, de mon sérieux, de mon efficacité. Vraiment. J'espère que ça vous parle. Voilà dans les circonstances dans lesquelles je vais porter Gabriel et les trois autres que je viens de citer. Donc, je poursuis les filles avec un parfum que j'adore. Là encore, je l'ai rencontré, lui-même. Je l'ai senti pour la première fois sur une de mes anciennes camarades de fac. Je n'ai malheureusement pas gardé contact avec elle. Tiffen, si tu regardes cette vidéo, si tu connais l'existence de ma chaîne, Tiffen Stadler, qui était donc qui est maintenant une consoeur, hein. On a toutes les deux embrassé la profession d'avocat, n'est-ce pas? Elle portait ce parfum. D'abord, Tiffen, c'est une fille qui était absolument sublime. Une brune aux yeux bleus comme ça, crana, que j'aimais beaucoup, je regrette presque, enfin bon bref, d'avoir perdu le contact, mais pour revenir à la montagne, je m'étale manifestement sur ma chaîne. Elle portait ce parfum et je lui dis « What about ?» Elle me dit « Oui, tu connais pas, c'est Cologne de Thierry Mugler. » Et alors les filles, comment vous dire? Comment vous dire? Comment vous dire? Donc, je suis bien consciente que ça n'est certainement pas dû au hasard, mais je trouve extraordinaire qu'il soit vert. Ce n'est pas le flacon qui est versé, c'est vraiment le jus, c'est vraiment le parfum lui-même. Il s'agit en l'espèce d'une eau de toilette, les filles. Il est extrêmement frais. Il est vert. C'est une eau de Cologne de l'an 3000. C'est une eau de Cologne complètement moderne, franchement. C'est une eau de Cologne, certes, il s'appelle Cologne, mais c'est une Cologne vraiment résolument moderne. Rien à voir avec vraiment l'eau de Cologne, vraiment. Il est génial. Pour moi, il est. Je le porte lorsque je suis dans une circonstance où tout est carré, tout est rangé, tout est propre. Mon linge est repassé, ça sent bon, tout est propre à la maison. Je suis en paix dans mon esprit. Je vais porter un jean crops, tu vois, un jean 7/8 avec un t-shirt blanc en V, un blazer noir duquel je vais retrousser les manches, un mocassin et mon Cologne de Mugler. Et je suis bien, je suis au top. Vraiment, c'est ça. Il m'évoque vraiment le blanc, le pur, le calme, le zen, le pétillant en silence. Il est extraordinaire, donc je sais pas comment ils le décrivent, je vais tâcher de vous lire la description.
Et alors, c'est tout à fait paradoxal, parce que je déteste, vous allez me détester pour dire ça, mais je déteste Angel de Thierry Mugler, qui fait partie de ces best-sellers absolus dont il se vend des milliers d'exemplaires à la minute ou que sais-je. Vous êtes très 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 nombreuses à adorer ce parfum, je le sais parce que vous me l'avez dit en commentaire. Je peux parfaitement l'entendre, hein. Je dis pas que c'est un parfum qui sent mauvais, mais moi je ne l'aime pas du tout, je le déteste vraiment. Il me monte vraiment à la tête, je le déteste. Eh bien j'adore Cologne de Mugler, c'est extraordinaire. Donc, les professionnels le décrivent ainsi, audacieux mais subtil, frais mais sensuel et tenace, absolument. Un parfum de paradoxe, une eau de toilette espiridée, sensuelle qui ravive les sens en diffusant à la fois le chaud et le froid. Intrigante par l'alchimie de ses notes charnelles et sensuelles, par sa fragrance à la fois troublante et familière, absolument. Par la sensation ultime de fraîcheur laissée dans son sillage. Mugler Cologne réveille une sensualité fraîche inédite en nous. Pour les hommes et les femmes en quête de vitalité, il est complètement unisexe. Pour les hommes et les femmes en quête de vitalité et de bien-être apaisant, une énergie nouvelle se libère alors de cette fragrance au vert énigmatique et surnaturel. Les filles, c'est très très bien décrit. Déjà, props à tous les gens qui écrivent ces descriptions-là. Bien souvent, là c'est le cas jusqu'alors, c'est tout à fait juste. Donc les filles, il est génial, il est frais, il est vivifiant, il est rassurant. Il n'est pas cocooning, il est exalté, mais poliment. Il est génial. Cologne, donc elle est géniale, devrais-je dire, c'est une eau toilette. Cologne de Mugler. Je poursuis. Toujours dans cet esprit. Je veux quelque chose de léger mais de présent. Je suis dans un mood relax, peut-être off aux 2F du boulot, en repos en week-end ou que sais-je. Mais j'ai envie de quelque chose de sensuel. Je veux une féminité, mais je vous ai déjà parlé de lui. Il s'agit donc du parfum Eau de Parfum comme une évidence d'Yves Rocher, les filles. Je vous ai raconté encore une fois cette circonstance dans laquelle j'ai découvert ce parfum. Il est bon. Il est vraiment bon. Donc, comme une évidence, je l'ai découvert dans le bus. Il n'y a pas très très longtemps, peut-être 2 ans ou 3 ans, j'étais dans le bus. Et cette femme s'assied juste à côté de moi dans le bus. Et elle sentait tellement bon. Elle sentait tellement bon. Et moi, comme je suis quelqu'un qui suis vraiment, je l'ai dit, très olfactif, et que je suis une espèce d'encyclopédie du parfum, d'habitude, quand je sens un parfum, je dis, ah oui, je sais reconnaître des parfums desquels je suis complètement étrangère. Par exemple, le Tocade de Rochas, c'est un parfum que je n'ai jamais porté, mais je sais le reconnaître dans la rue. Il est tellement. C'est une signature en soi, vraiment. Je sais reconnaître des parfums que je ne porte pas, que je n'ai jamais porté, même des parfums que je n'aime pas. Mais là, j'étais comme ça, je dis ah là là, et plus on se rapprochait de ma destination, et plus je me suis dit ok, je vais me jeter à l'eau et je vais la déranger, je vais lui poser la question. Alors je lui dis pas, et je déteste faire ça, enfin je n'aime pas déranger les gens. Je lui dis excuse me madame, what about le parfum? Elle me dit oui bien sûr, elle me sort le flacon de son sac à main. Et donc il y a le très très gros flacon et il y a le petit flacon, ça c'est le petit flacon. Donc comme une évidence d'Yves Rocher qui coûte 3 francs 6 sous, je crois que c'est une trentaine d'euros chez Yves Rocher. Ils font tout le temps des discounts, vous le savez. Les filles, il est très bon. Tenez-vous très très éloigné du déo. Mais le parfum vraiment est génial. Il est génial. Donc je vais voir comment est-ce que Yves Rocher décrit ce jus. Yves Rocher comme une évidence. Donc Annick Ménardeau, qui est parfumeur, qui est le nez à l'origine du comme une évidence, indique: j'ai imaginé un parfum baigné de lumière, comme une sensation infinie d'espace. Un accord chypré, résolument modernisé, chic et intemporel, la fraîcheur raffinée de l'essence de bergamote laisse place au sillage délicatement féminin de l'absolu de rose damascénat. L'ombre apaisante de l'essence de patchouli apporte enfin une profonde sensation de plénitude. Parfait. Parfait, parfait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Un accord chypré, résolument modernisé, une sensation infinie d'espace, c'est exactement ça. C'est exactement ça, les filles. Donc, courez chez Yves Rocher le sentir. Vraiment, les filles, courez chez Yves Rocher le sentir. Beaucoup d'entre vous se le sont procurés suite à mon haul. Je vous l'avais présenté, me semble-t-il, dans un haul quand je venais de l'acheter ou de le racheter, que sais-je. Et alors, les filles, il est extraordinaire. Je fais un énorme bisou à ma sista qui regarde, j'espère, cette vidéo, qui l'a acheté, qui l'a pas aimé et qui me l'a adressé en cadeau. C'est celui-ci, c'est le tien. J'ai la grosse bouteille derrière moi. Je tenais à te remercier une nouvelle fois en vidéo.
Donc les filles, comme une évidence de Thierry, de d'Yves Rocher, pardon. Je sais pas, je suis allée dans le Thierry qui, je ne sais pas. Donc je poursuis. Et alors je poursuis les filles. Là, je poursuis avec un parfum qui est très cher à mon cœur. Très cher à mon cœur. Il est très cher à mon cœur parce que la marque, que j'aime profondément, profondément, mais il est très cher à mon cœur parce que c'est un cadeau, celui-ci en l'espèce, le flacon en l'espèce, je l'ai reçu en cadeau. Tu te reconnaîtras, ma chérie, je te fais un énorme bisou. Mouah, encore merci, infiniment, infiniment. Et alors les filles, la maison Dior, mais dans les parfums Dior que vous en connaissez beaucoup, vous êtes très très nombreuses à les aimer profondément. Par exemple, Miss Dior, que j'adore. Miss Dior, qui est un jus extraordinaire, que j'adore, qui est sublime. Qui est sublime, qui est joueur, je l'aime absolument. Je vous parlais encore récemment également dans ma vidéo Dior.com, je vous l'attache ici si vous ne l'avez pas vu, de Dior Addict, que j'adore. Vous avez été très très nombreuses à commenter en me disant c'est mon parfum absolu depuis toujours, que j'adore, mais là, le jus dont je viens vous parler est issu non pas des parfums Dior, mais des parfums Dior collection privée. Donc, pour celles d'entre vous qui peut-être ne le sauraient pas, il existe une collection privée des parfums Dior qui ne sont pas distribués dans les Marionneaux, les Sephora, les Nocibé, les que sais-je. Ce sont des parfums qui sont distribués exclusivement dans les boutiques Dior, donc la boutique Dior de l'avenue Montaigne notamment, les corners Dior, donc dans les grandes enseignes telles que les galeries, je pense qu'ils sont aux galeries, je pense qu'ils sont au printemps, c'est pas absolument sûr, mais je présume que oui, et vraiment les corners Dior dans les grands magasins, peut-être le Bon Marché, que sais-je, mais il existe aussi des boutiques collection privée, parfum Christian Dior, collection privée, qui ne distribuent que ça, vraiment. Un grand bonjour au staff absolument charmant et adorable de la boutique collection privée Dior d'avenue Hoche à Paris, n'est-ce pas? Et alors les filles, le jus dont je viens vous parler, ils sont tous extraordinaires. Ils sont tous extraordinaires. Bois d'argent, qui est un extraordinaire. Oud Ispahan, qui est sublime. Les Oud, je viens vous en reparler dans un instant. Enfin bon, bref, je viens vous en reparler dans un instant. Grand Bal, Cologne Impériale, que ceci, Ambre, fait, Leather, fait, les filles, il faut les sentir. Il faut y aller, déjà c'est une expérience en soi extraordinaire. Donc vraiment visiter les boutiques dédiées en soi, les filles, en soi c'est une expérience. C'est sublime la manière dont les jus sont exposés, les senteurs sont disposés sous cloche, c'est extraordinaire. Le personnel, le staff, vraiment, les boutiques, enfin les filles, allez voir. Les parfums sont chers, mais ce sont vraiment des jus précieux, vraiment. Il n'est évidemment pas obligatoire d'acheter lorsque vous visitez, vraiment, allez-y les filles pour l'expérience, c'est génial, je vous y encourage fortement donc. C'est extraordinaire, celui que moi j'ai, celui que je vous présente en tous les cas aujourd'hui, c'est Fèves Délicieuses. Et alors les filles, je l'aime tellement, il est une pure contradiction pour moi, parce que c'est vraiment là la vanille, mais pas la vanille vanille. C'est la vanille, donc en réalité, comme l'indique le nom, fève délicieuse, le jus est bâti autour vraiment de la fève tonka. Donc bref, avant de vous lire ce qu'en disent les pros, enfin ce qu'en dit le maître lui-même, je vais parler du maître lui-même. Tous les jus de la collection privée parfum Christian Dior sont de l'œuvre de François de Machy. François de Machy, qui est le nez de la Maison d'Or depuis un moment, qui a fait ses classes justement avec Monsieur Paul, dont on parlait tout à l'heure pour Gabriel, n'est-ce pas? François de Machy, pour lequel j'ai vraiment de l'admiration, du respect déjà absolument, mais que j'admire vraiment. Que j'admire vraiment, je suis comme une petite fille, moi je rêve de le rencontrer, ce monsieur. Et de l'écouter parler. De l'écouter parler, de l'écouter décrire le processus de création. J'en rêve tellement, ah là là. Quelques blogueuses, vraiment, je vous en avais parlé, ont eu la chance de se voir conviés par la Maison Dior à Grasse. À Grasse. Donc il est natif de la région. Il est né, je crois, à Cannes. Il a grandi à Grasse. C'est un monsieur qui se destinait initialement à des études de dentiste et de kinésithérapeute. Donc moi, je bénis le jour où sa vocation est née, vraiment, parce que... Merci beaucoup. Et donc, je disais, certaines influenceuses ont eu la chance, vraiment, d'être invitées par la Maison Dior à Grasse. Ils sont allées cueillir le jasmin dans les champs, vraiment, de la Maison Dior, parce que la Maison Dior possède ses propres terres de jasmin, n'est-ce pas, à Grasse. Et alors, les filles ont créé leur propre jus sous le protectorat bienveillant de Monsieur de Machy. Et moi, j'ai vu cette vidéo, j'étais là, ah là là, j'étais un peu jalouse, les filles, je préfère vous dire la vérité, j'ai dit, ah là là, j'aurais tellement voulu y être.
Et donc c'est extraordinaire. Il avait l'air tout à fait bienveillant et tout à fait charmant. Enfin bon bref, pour revenir sur le côté pro de la chose. Fèves délicieuses les filles. J'aime beaucoup Bois d'Argent. Je me l'envisage. J'aime beaucoup Oudispan, je l'ai dit. Il y en a beaucoup que j'aime énormément. Il y en a un autre que je vais vous présenter dans un instant. Mais celui-ci, donc, c'est la description et la suivante. Bâti autour d'un absolu fève tonka du Venezuela. Donc, attiré par la séduction immédiate de la fève tonka, François de Machy a voulu une représentation personnalisée de cet ingrédient. Un exercice de composition qui joue sur les contrastes de cet ingrédient à la fois gourmand, mais aussi délicieusement amer. Pour celles d'entre vous qui peut-être seraient familières de la fève tonka, c'est elle, mais dans sa plus belle expression, vraiment. Elle est extraordinaire. Donc, afin d'habiller la puissance de la fève tonka, François de Machy lui a associé les notes chaudes et légèrement fumées de la vanille de Madagascar. La sensation de délice est parachevée. Et c'est en ça que je vous disais que c'est une pure contradiction. Je déteste la vanille. Mais là, c'est une vanille Dior. Je ne sais pas comment vous le dire. J'adore absolument ce parfum. Je vais plus ouvrir ma fenêtre pendant 4 jours. Parce que la pièce, vraiment, devient un enchantement. C'est feutré. C'est marcher avec vos stilettos les plus précieux sur une moquette épaisse ou un écrin de velours. Les filles, ce parfum, je ne sais même pas comment vous le décrire. La circonstance, déjà, je l'économise. Je ne l'utilise que très rarement. La circonstance dans laquelle je l'utilise, c'est quand je veux être en full-on séduction. Quand je veux me sentir vraiment, pas nécessairement pour une cause réelle, un date ou non, pas du tout. Pas nécessairement pour ça, mais quand pour moi, j'ai envie de me sentir vraiment sexy au possible. Vraiment sensuel au maximum de la sensualité, vraiment. Ces fèves délicieuses. De la collection privée Christian Dior Paris. Il est pour moi vraiment la séduction dans un flacon de verre. Vraiment. Pour moi, c'est... j'imagine... C'est pas nécessairement ce que je souhaite dans la vraie vie. C'est même l'exact opposé que je souhaite dans la vraie vie. Mais c'est vraiment... J'imagine la femme, une belle femme sublime, tu vois, se vaporiser la fève délicieuse, entrer dans une pièce qu'elle traverse et voir tous les hommes s'effondrer sur son passage. Se retourner dans son sillage et s'effondrer sur son passage. C'est vraiment ça que j'imagine. Là, il est génial. Là, il a pris vraiment le dessus de toutes les autres fragrances que j'ai vaporisées. Il est puissant, il en faut très peu, il est extraordinaire. C'est un jus précieux, vraiment. Sa couleur, le flacon épuré, mais extrêmement séduisant. Le résultat, Monsieur de Machy, vous n'avez pas besoin de l'assentiment de Bibi. Mais bravo. Et merci, merci. Extraordinaire. Et merci vraiment à toi, vraiment, ma chérie, qui m'a offert ce précieux, 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 précieux jus. Merci infiniment. Et alors l'autre dont je voulais vous parler, dont je ne possède qu'un échantillon pour le moment, que je m'envisage très sérieusement, c'est Sakura de Christian Dior. Et alors Sakura, pour les... vous savez que les Japonais, c'est mon rêve aussi d'aller au Japon, pendant la saison des cerisiers en fleurs. Et bien c'est vraiment ce moment précieux, très rare, très court, très bref, et vraiment précieux, que vraiment Monsieur de Machy a capturé dans Sakura. Les filles, vraiment, allez le sentir. Allez le sentir. Il est génial. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Je vais en faire quelque chose sur le poignet. Il est tellement bon. Il est extraordinaire. Donc moi, je ne suis jamais malheureusement, pas encore là encore, je ne suis malheureusement jamais allée voir les cerisiers en fleurs au Japon. Mais j'aime à imaginer que c'est exactement ça qui est capturé dans ce flacon. Un ravissement absolu. Donc les filles, j'en ai presque terminé. Est-ce que vous êtes toujours là? Donc je pense que là, vous prenez vraiment l'ampleur de la folie de la personne. Donc je poursuis les filles avec un cheveu récalcitrant. J'en ai presque terminé, je viens vous parler vraiment de deux derniers parfums. Celui dont je vous ai déjà parlé, là encore, je pense que je vous l'ai présenté dans un haul. C'est un parfum que j'adore, c'est un parfum pour lequel je nourris quelques inquiétudes.
quant à la pérennité, parce que je note qu'il est de plus en plus difficile de mettre la main dessus. Il s'agit de ce parfum extraordinaire, donc de Bulgarie, qui est le Indian Garnet. Et les filles, il est génial. Il est génial. Il est génial. Il est génial. Donc avant de commencer cette vidéo, c'est lui que je porte. Il est formidable. Pour moi, ce parfum, c'est de la joie en bouteille. Lorsque je suis dans un mood pessimiste, négatif, quelquefois ça arrive, je ne suis pas en mode bisounours each day, every day, vous vous en doutez bien, loin s'en faut. Il me donne un coup de boost, il me donne un petit coup de pied aux fesses, hein. Vas-y, va dans ta journée, sois conquérante et tu gagnes, vraiment, il me donne ça. Je sais que ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est pour moi de l'optimisme en bouteille. Il est très positif, il est frais, il est bon, il est féminin, élégant, mais il n'est pas lourd, il est léger, il est génial. Je vais vous lire la description. Les filles, vraiment, vraiment, là je ne vous voyais pas, mais je tape du pied par terre, je trépigne des deux pieds. Vraiment, allez le sentir, si vous pouvez le sentir. Donc attention, il en existe pléthore, ils sont distribués chez Sephora France, les autres. Un écrin, le même aspect gris ici, mais la partie orange est violette, ou la partie orange est verte, ou la partie orange est grise, ou la partie... Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il en existe plusieurs sortes. Moi, c'est celui-ci que j'aime. Les autres, je les ai déjà sentis, ils sont pas mal. Mais celui-ci n'est pas pas mal, il est génial. Donc, je vais essayer de trouver la description. Donc, j'ai peut-être écorché son nom. Il s'appelle Omnia Indian Garnet, donc de Bulgarie. Bulgarie, le joaillier. Inspiré de l'une des plus magnifiques pierres précieuses au monde, le grenat mandarin d'Inde. Omnia Indian Garnet allie magie et sensualité, sur de délicates notes de tubérose et de fleurs d'osmanthus. Et alors les notes, famille olfactive, fleurie, fruitée. Mais fleurie, fruitée, pour quelqu'un qui déteste et le fleurie et le fruité. Donc comprenez bien qu'il s'agit là d'une prouesse, vraiment. Donc, fleurie, fruitée, note de tête, orange amère de curaçao, fruit de la passion, note de cœur, fleur de la passion, gardenia du Brésil, et note de fond, fève de cacao, essence de vétiver. N'en jetez plus. Les filles, vraiment, allez le sentir. Et là, en été, printemps et été, Je délaisse un tout petit peu plus peut-être, mais mes absolus plus costauds. Pour moi, par exemple, For Her, c'est un beau manteau, une belle botte, vraiment un beau chapeau, tu vois. Là, l'Omnia, c'est plus, voilà, une robe légère, fluide, tu vois, quelque chose, des fleurs dans les cheveux. Non, pas que je porte souvent des fleurs dans les cheveux, mais voilà, c'est ce que ça m'inspire. Les filles, vraiment, allez le sentir, allez le sentir. Et j'en ai presque terminé, presque terminé avec cette vidéo. Le dernier jeu que je voulais vous présenter, je suis, bon, c'est peut-être, mes origines aident peut-être dans ce processus, mais je suis une fan absolue du oud. Donc ce que vous appelez oud, que moi j'appelle oud, est un bois précieux, un bois des dieux, certains l'appellent bois des dieux, bois d'aloès, qui est absolument extraordinaire, très 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 prisé en Orient, mais qui envahit de plus en plus l'Occident, de plus en plus. C'est un ingrédient extrêmement cher, son prix dépasse le prix de l'or, n'est-ce pas? Donc les parfums oud vraiment sont chers pour cette raison. Beaucoup, beaucoup en font dans la collection privée Dior. Il existe un oud extraordinaire, deux même, me semble-t-il, enfin bon bref. Extraordinaire, extraordinaire. Celui que je viens vous présenter aujourd'hui est de cette marque qui s'appelle Molton Brown, donc c'est une marque anglaise que j'achète à Londres. Je vous avais déjà présenté des gels douches de cette marque. Et bien sur les recommandations de l'une d'entre vous qui m'a dit « Sabrina, si tu aimes Molton Brown, tu vas souvent à Londres et tu aimes le oud, procure-toi ce parfum. » Et alors merci infiniment. Ça fait longtemps que j'ai reçu cette recommandation de ma sista. Et alors merci infiniment. Merci infiniment. Parce que c'est une heureuse alliance du oud et de la cannelle. Mais la cannelle, là où je la déteste généralement dans les parfums, l'association des deux là est absolument sublime. Donc c'est le, comment il s'appelle, Mesmerizing Oud Accord and Gold. Et c'est une eau de toilette de Molton Brown qui conclut donc l'heureuse harmonie olfactive de ce jour. Voici enfin ma vidéo parfum. Je sais que vous êtes très très nombreuses à l'attendre. Il y en a beaucoup d'autres que j'adore. Il y en a certains qui me font envie. J'ai très envie d'aller humer le nouveau Proenzas Couleur. Donc Arizona, il me semble qu'il s'appelle Arizona. J'adore les parfums Elisa. Il y en a un qui vient de sortir, je ne sais plus exactement comment il s'appelle.
J'ai pris une photo sur le téléphone. Voilà. Ah là là. Il s'appelle Eli Saab, le parfum tout simplement. Comment il s'appelle? In White. J'avais pris une photo sur le téléphone. Je pense pas que vous puissiez le lire. In White, donc d'Eli Saab. J'ai très envie. J'adore les nouveaux parfums. J'en sens beaucoup. Je demande des échantillons systématiquement parce qu'un parfum que je vais aimer de prime abord va par la suite peut-être me décevoir. Et inversement, peut-être qu'un parfum, je vais dire, finalement, va complètement me séduire, vraiment. Donc les filles, vraiment, je suis une passionnée de parfums, j'adore ça, je trouve ça même étonnant que je n'ai pas encore ma chaîne à 3 ans désormais presque, ou au moment où vous regardez cette vidéo, elle les a les 3 ans, enfin je sais pas, mais en tout cas le 1er mai ma chaîne aura 3 ans, et alors je suis complètement étonnée de ne pas vous avoir encore partagé cette vidéo, c'est désormais chose de fait. Donc voilà, je vais vous laisser ici, vous retrouverez le détail de mon make-up en barre d'infos. Donc voilà, une fois de plus, je ne vous sollicite pas, vous savez ce que vous avez à faire si vraiment le cœur vous en dit, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve avec bonheur très très vite. Bye!